Bon, départ pour Superbès. Je suis un peu en retard d'ailleurs. Bah, il pleut. Donc, du coup, Rico, j'ai prévu. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui font la Coupe de France à Métabief sous la pluie. Bon, on va voir. Hein. Si ça va pas, je mettrai le mud. Voilà. Parce que le ciel est pas très beau. Allez, bon dimanche à tous. Allez vous promener un peu. Eh bien, en direct de Superbès, où la météo est un peu couverte. Ça pleut un petit peu, enfin ça crache, mais là-haut on voit du ciel bleu, donc j'espère que ça va s'éclaircir, ça serait sympa. Chaque fois que je vais à Superbès, j'ai un petit rituel, je prends mon petit déjeuner ici, la grignotte Bessarde, et je peux vous dire qu'ici il y a des bons gâteaux, avec un petit café, ils ont des petits gâteaux spéciaux myrtilles que j'adore, je vous recommande. Franchement, je suis habillé comme pour aller faire du ski. Mais je vais pas faire de ski, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand je suis arrivé, il pleuvait, et que là, derrière, vous voyez, le soleil revient. Parce que moi, je prends mon forfait qu'à partir du moment où il fait soleil. Hein. Et je sais pas si je vais mettre le pneu mud, parce que après, ça s'arrête. Ça pleut plus. 9 degrés. Il fait frais quand même, hein, à la montagne. Je sais pas, je mets le pneu ou je le mets pas. Je vais tester, je vais aller voir. Mais je pense qu'il n'y en a pas besoin. Allez, on y va. En direct de Superbès, je voulais faire une dédicace à mon pote, mon ami Eric, qui est blessé. Grosse blessure sur une passerelle, hein, Rico. Bon, bon rétablissement. Et puis voilà, ben, tu vois, il s'ennuie. Hein. Il s'ennuie, mon commun sale, sans toi. Alors ici, c'est humide, c'est gras. J'ai voulu mettre le pneu mud, mais j'ai eu un problème. Ça voulait pas mettre, alors j'ai laissé le pneu normal. Sinon, il pleut pas. Il y a une éclaircie là-bas. Bah écoute, on fait attention. On apprend, tranquille. Allez, donc, prends soin de toi et bon rétablissement. Dépêche-toi parce que ça a fermé Superbès. Au moins que tu viennes pour, je crois, la semaine prochaine. Il me semble que c'est la semaine prochaine où ça va fermer. Il me semble, je vais vérifier. Eh bien, comment vous dire, Superbès. En haut, au sommet, on se croirait en hiver, vous savez, quand on va faire du ski, où c'est toujours pourri le temps. Ben voilà. Donc on va mettre les feux de brouillard. Ben la piste rouge, déjà, ça colle. Il y a le pneu qui colle, qui part un peu en live. Bon, là, il y a du brouillard, après il y a du brouillard aussi. Ah oui, un petit message à toi, Rico. Au sommet, je me suis fait engueuler parce que la fille, elle avait vu que j'avais pas mis le masque dans la télécabine. Elle me dit, vous avez mis le masque toute la montée? Je dis, à peu presque. Elle me dit, faut le mettre, monsieur. Je dis, vous m'avez surveillé? Elle me dit, oui. Bon, bref. Non, la bonne nouvelle pour toi, Rico, c'est que la dame, qui est quand même, qui s'y connaît bien, elle m'a assuré que Superbès était ouvert jusqu'à fin septembre. Pas belle, la vie? T'auras le temps de te remettre de ta blessure. Tu vois, je suis sur la piste bleue, là, je commence tranquille. J'ai mis un peu de temps à... Mais ça colle un peu en haut, là ça va mieux en fait. Puis ça s'arrête de pleuvoir, donc c'est bien, ça va aller beaucoup mieux. Et j'ai pas réussi à mettre ce pneu mud, mais bon, il n'y en a plus besoin. Quand on descend de la bleue, avec Rico, hein Rico, eh ben, on aime bien prendre la Secret Track. Mais regarde ce qu'ils ont fait, la Secret Track. Après ça devient une verte. Mais la Secret Track, ils l'ont fermée. Bon, elle est super courte, mais c'était vraiment plus agréable que ce machin là. Tant pis, c'est fermé, on va pas faire le con, parce que sinon on va se faire engueuler. Comme je me suis déjà fait engueuler. Secret Track, Rico. Pas beaucoup de monde aujourd'hui. Du coup, on est tranquille, quoi. Je me sens un peu seul. Non, il y a quelques vélos, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là, ça va, il pleut pas. C'est vrai que ça a dû décourager beaucoup, la météo, mais... Comme dirait Rico, des fois, il faut y aller quand même. Il y a une petite éclaircie, là. Ça fait toujours du bien. On voit un beau panorama. Un petit peu de vent. Et il n'y a pas beaucoup de vélos. Quelques randonneurs qui sont en train de manger, ils ont un peu froid. On va tester cette rouge là, qui a l'air en bon état. J'avais vu des vidéos. Et
qui va là-bas. Moi, ça doit souffler, là. Non. Ben oui, fin du mois d'août, c'est un peu défoncé. Hein, ça s'est raviné un peu partout, puis il y a eu la pluie, alors bon. C'est un peu abîmé, franchement. Voilà, ça c'est une piste rouge. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la pluie, elle a vraiment tout raviné. Vous voyez un peu ? C'est un peu le champ de bataille, quoi. Bon, moi ça me dérange pas trop. Mais bon, pour les bons, ils doivent pas être très contents quand t'as payé le forfait. Bon, après, c'est pas leur faute, c'est la pluie. Il a dû trop pleuvoir et ça s'est tout raviné. Ouais, la rouge est... Oh, du ciel bleu. Vous avez vu ? La rouge est bien abîmée. La Mado, ouais. Et là, c'est fermé. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça devait être un seau qui a été fermé. Ça colle, hein, regarde. Ça colle vachement, quoi. C'est de la super glue 3. Même les chaussures aiguisent. Ah oui. C'est une passerelle qui a été fermée. Bah, faut dire que c'est particulier, quoi. En fait, il y a... Le mec, s'il saute la pierre, faut vraiment sauter derrière la passerelle, Rico. Sinon, aïe! Putain, j'ai mal! Là-bas, c'est joli, là. Ça continue par là. On entend la rivière. Et le ciel bleu revient. Ah, les moutons! On va aller voir les moutons. Alors, attention. Faut pas faire peur aux moutons, sinon... On se fait vite engueuler, ce qui est normal. D'ailleurs, nous allons pas passer vers les moutons, nous allons passer de l'autre côté. Bah, c'est bien abîmé, hein. Oh, Rico, toi, avec tes pneus Michelin, je sais plus ce que t'as comme pneus. En tout cas, moi, comment t'expliquer? Ça glisse un peu, tu vois, à chaque fois, faut faire gaffe où tu freines. Et nos amis les moutons, ils sont pas heureux, là. Ils sont bien parqués, par contre, hein. Peut-être qu'ils vont partir en promenade. Et vous avez le ciel bleu, les moutons, vous êtes contents? Donc là, vous voyez, c'est la Mado. Il y a une petite passerelle, là. Oh, c'est pas trop abîmé, mais... Et il faudrait peut-être repasser un peu, voir un peu. Je sais pas s'ils repasseront. Puis après, en face, c'est la rouge. C'est là où j'étais tombé, Rico, tu te rappelles? Une belle chute. Hein, ouais. Allez, on continue. Voilà donc. Au lieu d'aller sur celle-là où je suis tombé, bon, ça doit être défoncé à mon avis, mais bon, on reprend cette bleue éboulie que j'aime beaucoup. Je crois que Rico, tu l'aimes bien aussi parce qu'il y a des jolis petits sauts. Je ne l'ai pas pris tout à l'heure, je vais la reprendre d'en haut pour pouvoir commencer. Et là, donc je suis remonté un peu pop par là. C'est vraiment sympa ici. J'aime beaucoup cette piste. Pourquoi j'aime bien cette piste? Parce que voilà, ouais. Il y a des jolies petites passerelles qui sont encore en bon état. Elles sont pas abîmées. Hop, vous passez par là, tac. Et là, après, c'est super pour apprendre à faire des sauts. Celle-là, je voudrais mettre un bon point à la station de Superbès. Voilà, il faut bien l'entretenir. Elle est géniale, cette piste. On a plutôt l'impression de... Sur cette piste, on se retrouve un peu sur les pistes dans les Alpes, vous voyez. C'est travaillé, c'est bien. Que certains endroits, bon, enfin, soyons positifs, hein. J'ose pas trop aller voir cette partie de rouge de la Mado qui doit être un peu bien défoncée. Bon, enfin bref, restons positifs. Voilà, c'est cette piste que j'aime beaucoup. Oh, elle est pas belle la vie, franchement. Et comme je vous dis tous, le bonheur, c'est simple. Et comme dirait Fred Nourri, on n'a qu'une vie, mec. Regarde Fredo, est-ce que ça te rappelle pas des bons souvenirs, Fredo? Ton chien préféré. Lâche les gants, je te dis. Je me rappelle un chien qui faisait caca sur des canapés. Alors j'aime beaucoup ce petit endroit aussi, Superbès. Je me rappelle plus le nom de la piste. C'est en bas de Superbès. On peut un peu s'amuser, hein, si on veut. On n'est pas obligé de suivre tout le chemin. Fais un bon petit virage là. Hop.
Après la fameuse passerelle, quand vous faites avec le vélo là. Bon, il faut pas freiner aujourd'hui, c'est un peu humide. On s'amuse comme des petits enfants. Quelques petits problèmes de dérailleur. Mais bon, j'en ai un tout neuf qu'il faudrait quand même que je pense à changer un jour. En fait, sur le dérailleur, vous avez donc deux vis. Rico, c'est pour ça que je voulais que tu me prennes une photo. Mais je voudrais que tu me prennes une photo en mettant la vitesse ici. Là. C'est pour voir la tension. Parce qu'ici, tu as la vis de... pour pas dérailler là. Et là, tu as la vis pour pas dérailler de l'autre côté. Ça, c'est facile à régler. Hein. Et après, derrière, tu as une vis qui est ici. Voilà. Ça, ça sert à tendre le dérailleur. Mais moi, le problème, c'est qu'elle a trop travaillé. Il y a une patte qui est un peu usée. Et je pense que c'est à cause de ça que j'arrive pas à régler mon dérailleur. Mais j'en ai un tout neuf, hein, mais j'ai la flemme. Bon, faites santé, les gars. Santé, c'est l'apéro.